السلام عليكم ورحمة الله وبركاته les amis de l'école printanière, bonjour et bienvenue dans la 37e leçon de français pour la première année du primaire. 1. Poème. Le pélican. Le pélican de Jonathan, étant âgé de 18 ans, capture un jour un pélican dans une île d'Extrême-Orient. Le pélican de Jonathan, au matin, pond un œuf tout blanc et il en sort un pélican lui ressemblant étonnamment. Et ce deuxième pélican pond à son tour un œuf tout blanc, d'où sort inévitablement un autre qui en fait autant. Cela peut durer pendant très longtemps si l'on ne fait pas d'omelette avant. Oral, la naissance. Compréhension, débat. Qui a capturé le pélican? Le pélican est capturé par Jonathan. Comment naît un pélican? Un pélican sort d'un œuf. Comment naît un enfant? Un enfant sort du ventre de sa maman. Qu'en es-tu d'autres animaux qui pondent des œufs? Oui, bien sûr, comme la tortue, comme de toute façon tous les oiseaux, la tortue, les reptiles aussi, c'est-à-dire les crocodiles, les tortues, les serpents, etc. En la tente, le pélican. Le mot outil, longtemps. Je lis des syllabes. D plus 1, ça donne. Dans. D plus 1, ça donne. Dans. R plus 1, ça donne. Rang. R plus 1, ça donne. Rang. BL, bl plus 1, ça donne. Blanc. BR, BR plus 1, ça donne BRAN. CRAN, PRAN, EN, NA, NE, EN, LAN, LAN, VAN, MAN, NON, DAN, SAN, GAN. Je lis des mots. Vent plus tre, ça donne ventre. Très plus te plus mon, ça donne traitement. Pont plus da, ça donne panda. Pont plus ce plus mon, ça donne pansement. Danser. Maman. Canton. Demander. Entendre. Chanter. Pourtant. Lentement. Je lis un texte. Le capitaine a capturé un pélican. Le capitaine a capturé un pélican. Il a pondu un œuf tout blanc. Il a pondu un œuf tout blanc. On a
attendu longtemps, puis il en est sorti. On a attendu longtemps, puis il en est sorti. Un autre pélican. Un autre pélican. Les pélicans n'ont pas de dents. Les pélicans n'ont pas de dents. Merci les amis d'avoir suivi cette leçon et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.